Bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez surtout pas à visiter mon site de réservation. Et c'est le deuxième lien qui est juste en bas de cette vidéo. Alors c'est parti. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Avant de commencer, vous allez voir mon Instagram s'afficher quelque part sur l'écran. N'hésitez surtout pas à visiter mon Instagram parce que là-bas, je poste tout plein de lectures aussi pour vous. All right. Verseau, il est probable que tu es ici dans une situation où tu essayes d'être un peu plus créatif. Tu essayes de manifester une nouvelle carrière, de nouvelles ambitions. Tu essayes ici de développer une nouvelle entreprise. Tu essayes ici de te remettre sur tes pieds. D'accord? Tu peux être relié avec quelqu'un qui est sûrement Bélier, Lion, Sagittaire. Ou encore, tu as ta femme qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Mais tu as ici une femme qui t'observe, une femme qui te regarde, une femme ici qui essaye de t'aider à amener tes projets à un autre niveau. Une femme ici qui essaye de t'aider à développer quelque chose de meilleur pour toi-même, pour tes finances, pour ta stabilité, pour tout ce qui est important pour toi, ok? Ça fait peut-être un certain temps que tu essayes d'économiser de l'argent. Ça fait peut-être ici un certain temps que tu fais des efforts pour pouvoir économiser de l'argent. Parce que tu t'es rendu compte que ta stabilité se doit de se manifester et que ce n'est que toi seul qui es capable ici de manifester cette destinée-là que tu portes dans ton cœur. Pour une autre, si tu es ici dans une situation où tu as un enfant, tu as peut-être ici un fils qui grandit, je ne sais pas pourquoi, mais s'il a fallu que tu sois une mère célibataire, que tu t'occupes de ton enfant toute seule, il y a quelque chose que tu n'as pas encore pardonné de ton passé, quelque chose que tu n'as pas encore pardonné quand il s'agit de ce que le père de ton enfant t'a fait. Peut-être que tu ne lui as pas encore pardonné de t'avoir laissée toute seule, de ne pas avoir eu l'audace de revenir te demander pardon. Tu t'attendais ici que quelqu'un vienne te demander pardon. Sûrement qu'il y a eu un divorce, une séparation, et tu pensais que quelqu'un allait venir te demander pardon. Tu pensais que quelqu'un allait venir courir derrière toi. Mais non. Surtout si c'est une personne avec qui tu as un petit garçon. Et il s'avère que cette personne ne l'a pas fait. On a ici quelqu'un qui pense souvent à vous, mais je ne le vois pas ici, qui veut être avec toi ou encore qui veut revenir dans ta vie. Et il y a de fortes possibilités que ce soit parce qu'il est en couple avec une autre femme. On a une autre femme ici, Poisson, Cancer, Scorpion. On a Taureau, Vierge, Capricorne. On a Bélier. Il y a quelque chose qui te dérange. Le fait que ton partenaire ait pu te remplacer avec une autre femme, ça te dérange. Il est probable que tu es grande de taille ou encore la fille avec qui il t'a remplacé est plus grande de taille que toi. Il y a même ici quelque chose qui est en rapport avec la beauté d'une personne. Peut-être que tu es jaloux, jalouse de la beauté d'une personne. Aussi, si tu es dans une situation où tu as affaire à quelqu'un qui est dans la psychologie, l'astrologie, tarologie, médecine, biologie. On a peut-être même ici quelqu'un qui vend des produits pour le corps. Il y a quelque chose qui est en rapport avec la peau d'une personne. Tu n'arrives pas à accepter le fait qu'il ait osé te remplacer avec une autre femme. Tu n'arrives pas à le supporter. Voilà. Comment a-t-il osé me remplacer avec une autre femme? Comment a-t-il osé me mettre dans une situation où aujourd'hui j'ai une diva
et je te vois ici complètement en colère contre un partenaire, à moins que ce soit ton partenaire, ton ex-partenaire qui est ici en colère contre toi. Tu en parles à des copines. Je vois ici des copines à qui tu en parles, des gens à qui tu en parles. On a peut-être même des racontards dehors par rapport à la nouvelle relation de quelqu'un, la nouvelle copine de quelqu'un. Il y a peut-être aussi plein de racontards par rapport au bonheur de quelqu'un, le mariage de quelqu'un. Tu n'arrives plus à supporter d'entendre tout ça. Tu es très aigri, hein? Très, très aigri ici. OK. On va ici tirer encore 3 cartes. Un, deux et trois. D'accord? Et on va essayer ici de voir ce que ces cartes-là vont encore nous révéler sur cette lecture, ce qui semble d'être très intéressant. Parce que la chose que tu essayes de ne pas dire à tout le monde, c'est que tu te sens seul. Tu te sens très seul. Très, très seul. OK? Donc, voilà. La suite, c'est sur Vimeo. Le lien est juste en bas de cette lecture. Bisous et bye bye.